Salut à tout le monde qui a regardé la vidéo ça. Bienvenue sur la chaîne Protéger Santé. Aujourd'hui, nous venons parler d'un thème très très important qui est un handicap social qui affecte la majorité des gens dans le monde. En plus froid, en plus monde présenté, il n'y a pas même connaît qui solution que vous êtes capable de joindre pour lui. Et ça arrive, il y a un pile monde qui souffre de discrimination pour ça. Aujourd'hui, nous allons parler de thème ça très très important qui est halitose, mauvaise haleine. Parfois, quand on ne peut pas voir mon approcher, parce que remarquez chaque fois qu'il approche, elle a parlé avec elle et elle ouvre bouche lui. Ouh, il monte sa gueule mauvaise haleine. Moi, par contre, dans moment ça, pendant ma parler à qui est-ce qui monte dans pensée comme exemple, parce que nous connaissons pile fois ça arrivé que nous connaissons plusieurs monde qui connaissent mauvaise haleine. Halitose là, c'est un gros problème qui affecte un pile monde dans le monde là. Normalement, c'est un ça gueule pile cause. C'est ça qui fait diagnostic lié à traitement. Très compliqué. Nous allons expliquer tout ça qui cause mauvaise haleine, la caillou. Tout avant nous commencer, nous faire connaître que bouche monde c'est côté qui gagne plus bactéries. Mais bactéries ça n'a pas problème parce que même ces bactéries ça profite que vous y fait partie de flore bactérienne. Au contraire, y protéger nous de l'autre bactérie qui pathogène qui est capable de causer problème la caillou. Bon, pour nous commencer, halitose là. C'est ça nous les mauvaises haleines là. Yon odeur désagréable qui sorti dans bouche moun et qui représente un malaise pour l'autre moun. Normalement, il y a plusieurs causes qui kabay moun halitose, mauvaise haleine là. Mais causes yo nous capable classifier en deux catégories qui c'est physiologique et pathologique. Physiologique là ça veut dire moun nan pas malade et ça qu'arrive tout li occasionnel. C'est pour un petit temps moun nan gagne mauvaise haleine. Pendant que pathologique là moun nan les ça li malade. Tout autant que li pa traité pathologie de base là, l'a toujours présenté mauvaise haleine. Pour cause physiologique yo, yo arrive présenté souvent et un pile monde souffre discrimination pour yo parce que un pile monde ka pensé que ou gen mauvaise haleine, peut-être yon fois ou te présenté. C'est ça que fait, faut qu'on fait attention, très très attention. Yon exemple physiologique ça arrive côté que moun nan li même li levé matin, li poko bosser, comme li tap dormi normalement bouche pa gen aucune activité l'tap fait. Tout accumulation salive mélangé avec bactéries, ça fait que moun nan li même li gen mauvaise haleine. Mais immédiatement li brosse, ça a disparu. Comme ça tout moun ki consomme des substances tant que moun ki fume, moun ki prend tabac, moun ki boit alcool, moun ki boit café, ça qu'arrive au jeune moun si la yo présenté mauvaise haleine. Ou bien tout moun nan consomme des aliments qui gen composé sulfuré volatile là-dedans. Tant que moun ki mange l'ail, moun ki mange oignon et puis les moun nan fini li pa brosse dan, li pa nettoyer langue. Ça a cause de présenter mauvaise haleine. Nous venons parler de cause physiologique, nous allons parler de cause pathologique. Cause pathologique, vous voulez dire mon nan li malade. Ça veut dire qu'il y a une pathologie de base. Toutefois, que li pas traité pathologie de base, ça l'a toujours présenté mauvaise haleine. Dans la catégorie ça, nous avons plusieurs causes. Majorité cause, ça veut dire 80 à 90% c'est cause bucco-dentaire. Là nous dit bucco-dentaire. Ou retan wè sa gen pou wè avec bouche, dents, langue ak gencive. Tankou par exemple, yon moun ki gen gingivite, nous connaissons gingivite, c'est inflammation gencive yo à cause de divers problèmes et gencive li ap saigne. Yon moun ki gen carie nan dan, yon moun ki gen abcès nan dan, yon moun ki mette plaque et li pa bien nettoyé, yon moun kap dormi le soir ak res manje nan dan yo sans pa bosser. Lè ou additionner tout facteur sa yo, ça k'arrive ou cause mauvaise haleine. Mais faut que moi dire tout une fois que vous traitez tout problème ça yo ou pas de mauvaise haleine encore ça veut dire si vous faites une bonne hygiène buccale et vous allez chez dentiste ou toujours de mauvaise haleine attention ça alerte ou que vous avez une autre pathologie 8 à 10% c'est cause respiratoire dans cause respiratoire yo, nous avons par exemple sinusite chronique il y a plein de monde qui souffre sinusite. Comme ça, tout le monde qui a une amygdalite, qui est une inflammation amygdalio, là on prend un monde qui a une sinusite et pas traité, ou bien un monde qui a une amygdalite, très souvent, il présente mauvaise haleine. Dans ce cas, on doit visiter un otorhinolaryngologiste. 2% de la cause, c'est cause digestive. Côté que un pile froid, on a eu le reflux gastro-œsophagien. Côté que on a dit, il sent l'acide là à monter sur l'estomac. Alors ça, c'est façon on a toujours dit ça. Ou bientôt, moun nan ka gen gastrite ou bien moun nan gen ulcère.
Dans le cas, vous devez visiter un gastro-entérologue. 1% de la dent, c'est un système. Tant que les gens présentent diabète, ça nous est les maladies cycliques, ou bien les gens présentent insuffisance rénale, ou bien les gens ont un problème de foie. Mais, pour la pathologie, ça, vous êtes accompagné de l'autre signe et symptômes. Il y a quelques personnes qui ont une mauvaise haleine, mais qui ne pas représenter aucun problème pour eux. Raison simple. C'est parce que vous êtes habitué avec elle. Mais ce qui cause ça plus, c'est parce que l'odorat, c'est un cinq sens nous gagnons qui adapte bien rapide. Exemple en clé. Si vous entrez en côté, côté a une mauvaise odeur, après un nombre de temps vous gagnez depuis vous entrez côté ça, vous venez habitué avec mauvaise odeur. Mais c'est parce que mauvaise odeur n'est pas là. C'est même genre tout, si vous achetez un parfum, parfum a un sens qui est vraiment captivant. Là où vous mettez, le premier jour vous prenez un sens. Mais après, là où vous êtes habitué avec elle, c'est comme si de rien n'était. Mais chaque fois que vous rencontrez avec un monde, c'est le monde qui prend un sens parfum. Eh bien, c'est ça qui arrive avec quelques monde qui ont une mauvaise haleine. Li tellement gagné longtemps pour li vinn pas représenter un big deal et puis chaque coup le rencontrer au monde li fait moun nan mal à l'aise. Faut que nous faire connaître tout halitose mauvaise haleine nan li tellement gagné répercussion sur moun nan depuis moun nan connaît li gagné mauvaise haleine li toujours isolé tête li ça arrive tout gen moun qui halitophobe ça veut dire gen moun qui souffre halitophobie. Moun si la, li pa an afè a piyes moun ki gen mauvaise haleine. Sa ka même rive tout li doute de tête li, li fèl kwa ke li gen mauvaise haleine pendant ke li pa même genyen. El tout rete nan yon coin, li isole tête li. Nan ka sa, moun si la dwe visite yon psychologue. Pour traitement yo simple. Si c'est physiologique, nous connaissons un pile dans l'occasionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas arrêté. Et pour pathologique là, les ça ou a besoin de traiter la pathologie de base là. Mais, il y a un conseil tout pour suivre, tant que, faut qu'on ait une bonne hygiène bucco-dentaire. Ça veut dire, on doit brosser dents très bien, les lever matin. Brosser dents tout le soir avant de dormir. Faut qu'on utilise fil dentaire tout. L'ap aide très bien l'écrasion entrée dans coin dans eux. Faut qu'on ta change brosse dents pour plus petit chaque 3 mois. Ça veut dire ou ka passer 4 brosses dents pendant l'année. Et puis visiter un dentiste chaque 6 mois. Pas oublier tout, faut qu'on ait une diète qui est équilibrée, faut bien hydrater. Faut toujours boire de l'eau. Faut qu'on pas passer journée ou son pas jamais boire de l'eau. Gen moun ki konn fè 2 à 3 heures de temps sans pas jamais boire de l'eau. Ou pas doit quitter bouche ou sèche, ça qui arrive li bon mauvaise haleine. Et puis pas fumer, pas boire alcool. Ou bien tout si on son monde qui compte boire alcool, diminuer son alcool là. Yo l'autre bagaille tout que ou capable faire pour aider ou capable bay tête ou habitude ou acheter girofle. Et puis parfois ou gen doit mouler girofle. Parce que girofle là lui-même, il gagne un effet antiseptique, anti-inflammatoire et antibactérien. Et la pédo éliminer quelques bactéries qui dans dedans yo. Ou ka prendre ferment tout, ou ka moulel. Ou ka utiliser bicarbonate tout. Pas en pile, ou ka boire yon ti cuillère dans demi verre d'eau, ou ka secouer dans bouche là pendant 2 à 3 minutes. Et puis, ou ka mouler chiclette tout pour yon ti moment. Mais par exemple, surtout ça yo, c'est l'on pral dans yon réunion ou bien yon rencontre et ou vle paraître pour gen yon haleine qui wow, yon haleine qui fraîche. Si ou ta wè, ou ta fait tout ça yo. Ou toujours gen mauvaise haleine, ça veut dire gen l'autre problème. Qui c'est ka youn nan cause pathologique que ça nous sot cité yo la. Les sœurs doivent aller visiter un spécialiste côté que pour capable joindre ça ou gen hein, pour capable traiter. Pas oublier nous te pote thème ça pour ou qui c'est halitose ou bien mauvaise haleine. C'est un problème qui affecte en pile monde dans monde là. Pas oublier abonner à channel protéger santé ou. Pour nous continuer pour tes belles tempos, partagez avec un frère, une soeur, un ami pour capable aider le comprendre et arriver à jouer une solution avec mauvaise haleine. Et l'autre semaine, si Dieu veut, nous apportons une autre vidéo pour vous.